Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, le sommet du journal. Fêter la Saint-Valentin autrement, c'est l'ambition d'une jeune béninoise. Elle a décidé à l'occasion de manifester son amour aux orphelins, à suivre le reportage. Le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du marché. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? Une sociologue nous en parle. L'hémophilie, c'est ce trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. On en saura un peu plus dans la page santé de ce journal. La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais vous le savez, sans aucun doute, la Saint-Valentin peut être célébrée autrement. C'est l'histoire d'une jeune béninoise qui a choisi, quant à elle, de manifester son amour aux orphelins le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin autrement, c'est ce que nous fait découvrir Anou Adadja dans ce reportage. J'étais encore toute petite quand j'ai perdu mon père. J'avais 4 ans lorsque mon papa est décédé. Je souffrais en effet auprès de quelqu'un quand on a décidé de me placer à l'orphelinat. Quand je pense à mon papa, je ne me regardais pas bien. Je pleurais à chaque fois. Maintenant, quand mes tutrices m'ont parlé, je ne pleure plus. Christelle a choisi de s'investir dans les œuvres caritatives. Sa stratégie, le porte-à-porte. Ensemble, avec de jeunes bénévoles, elle se consacre à la collecte de vivres, de chaussures, et de vêtements qu'elle distribue aux orphelins chaque année à la célébration de la fête de la Saint-Valentin. La collecte des dons, ce n'est pas du tout facile. Et convaincre quelqu'un qu'un enfant qu'il ne connaît pas et qui vit quelque part, qu'il ne sait pas, a besoin de quelque chose, c'est vraiment difficile. À la Saint-Valentin, l'amour va au-delà du charnel. Les enfants orphelins, ce sont des enfants qui n'ont pas connu ou presque jamais vraiment l'amour d'un parent, d'une famille, d'un proche. Ce sont des enfants qui manquent d'affection quotidiennement, qui manquent d'amour. Et donc nous choisissons cette occasion pour leur dire voilà, vous avez une place dans nous, notre cœur aussi. À la faveur du 14 février, Christelle fête autrement l'amour et ce ne sont pas ses artistes qui la démentiront. Quand vous voyez les gens, les parents décédés, après les enfants n'ont pas de soutien, les oncles, la famille ne prennent pas soin d'eux parce qu'eux-mêmes, ils ont leur charge. Et il faudrait que nous puissions les assister par notre bonne volonté. On n'a même pas besoin de chercher à comprendre. Quand on a le moyen d'aider, aidons s'il vous plaît. Comme en chantant, ça me touche. Parce que c'est des personnes qui n'ont plus de père et de mère. Et des personnes qu'on doit soutenir, accompagner et aimer davantage. Venons-en à présent à cette équation souvent difficile à résoudre pour la jeunesse, formation-emploi. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise de plus en plus par une demande sans cesse croissante. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché de travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin à Blaoua Bokor, sociologue spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici quelques éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi. Ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant ils pourront dire à l'enfant, mais moi je te vois beaucoup plus dans ça parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait,
Et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Ablawa Bokor, sociologue, spécialiste des questions de jeunesse. Santé à présent, c'est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang, entraînant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois en l'absence de blessure. Elle est une mutation génétique. L'hémophilie, une maladie rare mais fatale, nous dit Amandine Aliambosso à travers ce reportage. L'hémophilie, une maladie grave qui se manifeste dès l'enfance, surtout chez le garçon. L'hémophilie est une maladie héréditaire, caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Elle est caractérisée par l'apparition des hématomes, des hémorragies internes ou externes. Par exemple, en cas de circoncision, après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématrose en médecine. Ou au niveau des muscles, on parlera d'hématomes. Au-delà de ces signes qui sont les plus fréquents, on a des saignements au niveau du cerveau qui peuvent donner une paralysie. Une fois le diagnostic établi, la prise en charge du malade devient impérieuse. Le traitement coûte excessivement cher et le Bénin ne dispose pas des moyens nécessaires pour soulager les malades. Pour le moment, on a à disposition que les plasmas frais congelés. Les plasmas frais congelés nous permettent de substituer les facteurs qui manquent à l'enfant. On lui donne du plasma, on peut lui donner 2 à 3 poches de plasma selon l'intensité des saignements et autres. Mais on reconnaît tous que la transfusion de plasma n'est pas suffisante parce que la quantité de facteurs qui se trouve dans le plasma est vraiment infime par rapport aux besoins des hémophiles. Près de 1000 Béninois sont atteints de la maladie et il n'est pas du tout facile de vivre avec un hémophile. Quand vous avez un enfant hémophile, vous vivez perpétuellement avec une angoisse, ce qui est assez difficile. Régulièrement, spontanément, l'enfant saigne. Vous l'amenez à l'école, il ne peut pas jouer au foot, parce que s'il joue au foot, il va saigner. Vous n'avez pas accès comme ça à la société parce que vous êtes vu d'un autre œil. Elle n'arrive pas à vivre comme il se doit et elle vit avec un poids et en se culpabilisant, en disant que c'est elle qui a fait que son enfant est atteint de cette pathologie. Et dans le but d'améliorer la prise en charge, le Bénin a été sélectionné pour bénéficier d'un programme de formation médicale et associative sur l'hémophilie, une initiative de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. La France est spécifiquement investie avec l'Association française des hémophiles pour établir des coopérations avec les pays en Afrique, avec plusieurs pays en Afrique subsaharienne essentiellement. Donc de façon assez spontanée, on a décidé d'établir cette coopération, ce d'autant que les médecins enseignants en hématologie de Tours viennent depuis plusieurs années participer à des actions d'enseignement en hématologie. Et nous allons aussi travailler ensemble à mettre en place un réseau de médecins sur l'ensemble du Bénin pour permettre
à tous les malades du Bénin d'être diagnostiqués et d'avoir un accès aux soins. Et pour cela, il faut mettre un réseau en place qui communique. L'hémophilie ne se guérit pas, mais avec le traitement existant dans le monde, l'espérance de vie des malades est prolongée. Et grâce à cette coopération avec l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, c'est une lueur d'espoir pour les hémophiles béninois. Covid-19, l'Allemagne prévoit de supprimer la plupart des restrictions en mars 2022. Pendant ce temps, la famine menace en République démocratique du Congo et l'Union européenne veut redynamiser sa relation avec l'Afrique. L'essentiel à retenir dans Echo Inter, le condensé de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, précisément aux portes de Kinshasa, la misère menace. Le paisible village de Kindouti, dans la périphérie de Kinshasa, souffre de plus en plus de la famine. Les populations luttent suffisamment pour trouver de nourriture, mais manquent cruellement de réserves de céréales, de cultures et de ferments. Pour éviter cette situation dramatique, le Programme alimentaire mondial PAM et les autorités publiques du pays tentent de mettre en place des projets pour aider les populations locales. L'Europe veut refonder un new deal économique et financier avec l'Afrique. La relation Afrique-Europe sera au cœur des débats lors du sommet Union européenne-Union africaine les 17 et 18 février 2022. Au moment où la Chine offre une alternative économique à certains pays africains, les États-Unis, la Chine, la Russie cherchent également à se repositionner sur le continent africain. Parallèlement à la zone de libre-échange continentale, l'Afrique doit créer avec l'Europe une valeur ajoutée économique durable. Selon plusieurs économistes et experts en finance, l'Europe et l'Afrique ont beaucoup à s'apporter. Leur complémentarité est une richesse. Et puis, Covid-19, l'Allemagne veut procéder à un déconfinement progressif. À partir du 8 mars, les réunions privées seront autorisées à condition de ne pas dépasser 5 personnes. Librairies, fleuristes, auto-écoles pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Mais avant, à partir du 4 mars 2022, les restrictions dans les restaurants et les hôtels en Allemagne vont disparaître et les clubs et discothèques devraient pouvoir ouvrir pour les personnes vaccinées, guéries ou testées. De même, à compter du 20 mars, les règles incitant les entreprises allemandes à permettre à leurs salariés d'être autant que possible en télétravail devraient aussi disparaître. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Bon après-midi à tous.